YouTube et bienvenue sur Immersive TV. Moi c'est Mutsu, je suis avec Mushu. Yo. Yo les gars. Yo yo. On continue sur les jeux survival tout ça avec donc cette fois-ci donc toujours les dinos, même concept que Stomping Land, mais plus c'est un peu la fusion de Stomping Land et de Rust. Qu'est-ce que tu en penses, Mushu? Ouais, c'est ça, c'est à peu près ça. Je trouve que ça ressemble vraiment beaucoup à Rust, c'est bien l'esprit crafting tout ça, donc on va voir ce que ça donne. Toi qui connais un peu plus le jeu que moi, du coup, je suis tout neuf là, c'est mon premier pop in the game. Et je découvre là. Donc j'ai mon couteau, j'ai coupé du bois, il faut que je trouve de la pierre, c'est ça maintenant? Ouais, pierre et bois, et ton truc de craft c'est U. U, poil au cul, ok. Crafting, pardon pour faudra que tu te fasses donc la stone axe et la crafting table, en fait ça va t'ouvrir plein d'autres crafts, donc t'auras genre... comme je t'ai dit, le sniper, l'arbalète, etc., etc. Ah, j'ai mis de l'arbalète. Alors, au niveau des coordonnées, je suis à moins 50, moins 263. Voilà. Alors, moi, moins 1, moins 179. Donc, moins 50. Est-ce que tu te diriges vers moi? Comme ça, pendant ce temps, j'essaie d'établir un peu le camp, tout ça. Je montre aux gens vas-y, le craft vas-y. Et tout. On fait ça. Allez. Donc là, il faut que je trouve des cailloux. Oh, putain, il y a un gros dino là-bas. Donc comme je disais, c'est Stomping Landesque, c'est-à-dire que on a des dinosaures qui sont quand même beaucoup plus gros, j'ai l'impression, là, dans ce jeu, non? Ouais, plus gros, ouais. Plus réaliste en même temps. Ouais. Ouais, voilà, regardez ça. Oh bordel. J'ai l'impression qu'il y en a un autre. Il y a un mec avec un gun, j'espère qu'il va pas me tuer. Oh Mouchou, il y a un T-Rex. Bon, ça c'est un T-Rex, ça, c'est obligé. Pas un carnot, machin truc, ça, c'est un T-Rex. Grosse bouche, petite papate à l'avant, qui fait beaucoup de bruit. Donc là, a priori, je m'approche pas, c'est ça le délire? Ouais, pas les T-Rex. Pas les T-Rex. Plutôt pas gentil dans le jeu. Ok. Je me fais poursuivre par un mec qui s'appelle Ninja Killer. Ah ok, attends, il me parle. Ah. Alors, après Mushu, j'aurais besoin de ton aide pour certains détails du jeu. Comme par exemple, à quoi correspond la barre verte? Enfin, le rond vert, le rond rouge et le rond jaune. Voilà. Le rond rouge, c'est ta vie. Ouais. Le rond jaune, c'est ton endurance, et la barre verte, j'en ai aucune idée. D'accord, génial. Merci. Parce que ma barre verte est bientôt vide. Hein. Alors, est-ce que c'est normal que je ne trouve pas de cailloux autour de moi? Ouais, c'est assez rare, mais il y en a souvent, soit dans les montagnes, ou soit dans les coins d'eau, j'ai l'impression. Alors écoute, je crois que je viens d'en trouver un en disant ça, tu vois. Au couteau, c'est un peu galère, mais ça passe. C'est un peu galère, mais ça passe. Ouais, ça, c'est un gros caillou, les gars. Allez, les amis, on est parti. Combien de coups de couillot pour... coups de couteau, pardon, pour que le caillou... Je sais pas, c'est... ça doit être 4 ou 5, je pense, quelque chose comme ça, non? Ouais. J'ai l'impression que ça ne fait absolument rien ce que je fais là. Alors je suis à moins 50 et l'autre coordonnée tu m'as dit c'est Moins 244. Est-ce que c'est possible quand tu coupes? Ah putain. Ça fait des rondins de bois quand tu récupères du caillou? Non, ça c'est quand tu coupes le bois. Ah ça y est. Ah d'accord, j'ai carrément... Ok, j'ai coupé un morceau du caillou, d'accord. Oh putain, ça m'est parti dans la gueule. Belou, ça y est les gars, ça y est. Alors sinon, au niveau du jeu, en termes de background, est-ce que tu sais un peu qui on est, pourquoi on est là, est-ce qu'on sait tout? Non, il y a aucune histoire, je crois. D'accord. On est juste un homme lâché en plein milieu de la jungle, voilà, il faut se débrouiller. C'est pas à l'époque préhistorique, puisque bon, il y a des fusils sniper, etc. Non, puis les gens sont habillés t-shirt, jeans, basket, donc non. Ok. Un petit peu, on va dire l'histoire à la Jurassic Park, quoi.
Ouais, d'accord, je vois un peu le délire. Le couteau, quand même. Le mec, il faut voir les morceaux de cailloux qu'il débite avec son couteau, quoi. Ça, c'est du couteau, pas le temps, quoi. Bien aiguisé, bien costaud, tout ça, tout ça. Mais grave, oh, il a disparu sous mes yeux. Alors, donc du coup, maintenant, j'ai masse cailloux, masse bois. 254, hein, tu m'as dit les coordonnées. Ouais, là je suis à moins 52, 241, 240. J'avance un peu. Tu as combien toi? Moins 75, 63, pardon, moins 196. En fait, c'est pas évident parce que il y en a qui bougent tout le temps. Malgré que tu ailles que à gauche ou que à droite, ça bouge quand même. Parce que tu dois aller en diagonale en fait. Il faut que tu te mettes sur 54 et que tu trouves le. Oh 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 oh. C'est bon, je m'approche là. Je suis plus très loin, je pense. Est-ce qu'il y a des petits dinos fourbus qui sont dangereux, genre des petits vélociraptors? Oui. Ou des trucs? Ouais, les raptors, ouais. Ils t'attaquent direct. Tu les entends Là, j'entends des bruits de pattes pas loin. Je sais pas ce que c'est ça. Oh putain, qu'est-ce que c'est? C'est une petite merde ça. Je tape la petite merde. Putain. Ça dépend. Oh, 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 ça a l'air dangereux quand même. Il s'en va, c'est bon, c'est bon. Casse-toi, hein. T'as des sortes de raptors mais qui sont herbivores, je sais pas trop ce que c'est. Je vois un mec en bas qui est suivi par un autre mec. T'es où? On doit être à côté. En haut de la colline, c'est toi ça? Tu viens de t'arrêter là. Ah bah le rat. Ouais, c'est bon, c'est moi. Je suis en haut de la colline là. Bah tu vois, on était pas si loin que ça au final. Ouais, et tu le connais lui? C'est qui? C'est Billy? Tu lui fais confiance? Et bah tu vois pas le chat? Non. Le mec il m'a fait tu fais quoi blabla, je vais faire on, je rejoins un pote, on est en direct sur YouTube, tout ça tout ça. Et puis il a fait je peux vous rejoindre, je connais pas trop le jeu, je commence, je lui ai dit bah écoute vas-y. À droite. T'es suivi par un dino je crois. C'est qui ça? Il est devant moi, c'est qui? Bah c'est le mec, mais du coup moi je t'ai pas trouvé quoi. Sur ta droite, sur ta droite. Yo. Mets-toi flanc de colline. Et tu vas sur la droite. Ah voilà, t'es là. C'est toi ça? Yes! Voilà! Et voilà, nice! Belle ou? Donc voilà, bon, on est avec Ninja Killer. Ninja Killer, ok. Oh putain, j'ai appuyé sur un truc. Alors attends, je peux inviter des gens? Ah non, roster, manage. Bon, on va se faire un camp. Il y a un autre gars ici, non? J'ai l'impression que le chat est local quand même. Le tue pas. Non, t'inquiète. Ah. Si tu fais V, je crois que c'est le chat vocal. Ouais, essaye voir. Allo. Allo. Ah, belle. Mais si tu vas manger, tu risques de te faire manger aussi, non? Manger, il y a là, je crois qu'il était. Pour manger. Pour parler, pardon. Bon bien on se met un peu plus haut là, on aura un peu la visu sur ce qui pourrait nous arriver dans la gueule potentiellement. En tout cas vous pourrez vous abonner à cette vidéo. Exactement, abonnez-vous à la vidéo Mutsu Style. Donc, non abonnez-vous à la chaîne, je déconne. C'est ça? Ouais. Qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Donc ça c'est les rondins, bah en priorité la hache. Crafting table non plutôt? Non je l'ai. C'est pas vrai. En priorité la hache. Ok. Donc ouais, faut un seul à peu près plat pour poser tout ce qui est maison, crafting table, enfin en gros tout ce qui est un petit peu structure quoi. D'accord. Donc ça y est, j'ai la hache. Ensuite. Oh, et boum. Belle. Ça me plaît ce jeu là-haut. Oh. Et on me met des trucs dedans et après ça fait des crafts un peu kikou, c'est ça? C'est ça, et quand tu pioches dans les cailloux, ouais. Enfin dans les rochers, t'as la... comment on appelle ça? Une identifiée de quelque chose, je sais plus le nom exact. Ouais. Et en fait quand tu le ramènes à ta table, à ta table de craft, ouais. Ça te découvre des trucs. Donc parfois tu peux trouver de l'or, tu peux trouver de l'argent, tout ça. D'accord, là je crois que j'ai fait une boulette mouche. Ouais, t'as fait E dessus et tu l'as récupéré dans ton inventaire. Alors si je veux la reposer, ok comme ça, d'accord. Comment tu peux déplacer les objets ou pas vers le haut, vers le bas? Non je crois pas, mais en gros là il faut la mettre ici parce que ça se met à peu près plat.
Je sais plus, je l'avais mis par là quoi. Est-ce qu'il y aurait pas une grosse bestiole qui arrive là? Ok, et après clic gauche, d'accord, ok. Nice. Et donc ouais, t'as ça rien me à plaît, faire, ça hein. me plaît, ça Juste me plaît. t'ouvres ton inventaire et tu glisses les trucs dans le petit item Item container container, qui s'ouvre, ouais. voilà. D'accord. J'ai un unidentified ore. C'est Voilà, c'est ça que un je te disais, voilà. matériau non identifié. Et je le mets Voilà, là-dedans, c'est ça? et tu le mets dedans, et en fait, ça va te, en attendant un peu, ça va te permettre de découvrir ce qu'il y a dedans. Et là, je l'ai mis dedans, je touche plus à rien, c'est ça? Ouais, voilà, tu laisses agir, et bon, après ça, généralement, faut faire directement sa petite cabane pour être bien safe, quoi, Mais c'est ce qu'on et va se voilà. faire, non? On va se faire une cabane. Par contre, Ouais, j'entends je une peux en bestiole faire une, là. hein. Est-ce que t'as ta hache déjà? Parce que je te vois pas avec une hache, et ça m'inquiète un peu. Alors, puisque tu es inquiet, je la mets. Hop, voilà, ça y est. On peut se protéger. Clic droit, ça fait un truc. On voit plus Non, loin. ça zoome juste. Ah, regarde, il y a des Ah bah cailloux tiens, là. voilà. C'est peut-être ça qu'on entend. On regarde au loin. Ah, Sur lui l'île, là-bas? dans ma direction. Nice, il est beau, hein? Lui, on croit qu'il est petit parce qu'on est loin, mais quand on est à ses pieds, Ah, il ouais, fait non. 3-4 fois notre taille. Hein. Et regarde, là, il y en a un plus Et bas, un là, avec les stégosaure, et voilà. pics. C'est un stégosaure, c'est ça? Et ouais, c'est ça. Un picouzaure. C'est Ouais, horrible. ces deux-là sont pas agressifs, hein. Bim. Ah, ouais, d'accord, la pioche. Pour récupérer des cailloux, c'est pas pareil. Ouais. On sent que là, on y est, quoi. Alors, petite Oh, merde. technique, tu restes appuyé sur E et généralement ça te les chope tous. Et moi, ce que je fais Ah, ouais, en belle. général, c'est qu'en fait, je tape tous les trucs en bas. Et en Ouais. fait, une fois que tout est cassé en bas, ça se pète la gueule. Et en gros, t'as tout à récupérer, t'as pas besoin de piocher. En gros, t'économises d'énergie, quoi. D'accord. Donc, moi, ce Il est que je vais malin faire, ce c'est que je vais mec. nous faire une cabane tout en haut. Ou au Par bord de contre, l'eau, peut-être? ah ouais, C'est il y a des joli. pierres qui roulent, n'amasse pas mousse là. Hein. Et Ah, mais il n'y a pas de mousse. ça glisse, hein. Et ça glisse et après tu les perds, c'est ça? Si glisse trop loin, que tu vas pas les chercher. Non, il est Non, là, non. mon caillou. Est-ce que c'est agressif ça? Oh là là. Normalement, les deux gros, non. Ouais, écoute, tu vois, je me suis rapproché, il s'est mis à se déplacer. Est-ce qu'ils peuvent se battre entre eux, les dinosaures? Je t'avoue que j'ai pas assez joué pour avoir vu ça, mais je pense pas. D'accord. Non, graphiquement, t'en penses quoi? Ma perso, je trouve ça quand même super. Enfin, voilà, je trouve ça joli, quoi. Ouais, non, j'aime bien, c'est coloré, j'aime bien, hein. Tac, à côté de moi, là, hein. Ouais, c'est moi. Boum. Belou. Allez, venez là, caillou. Et est-ce qu'on a une limite à l'inventaire? Je pense que ce qu'on voit, ça doit être la limite, à mon avis, hein. Non, pas la map, l'inventaire. Ah, d'accord, ce que Oui, tu vois, l'inventaire, ok. ce qu'on voit dans l'inventaire, ouais. Pardon, ok, d'accord. Alors, je mets la maison au bord de l'eau. Non, là-haut, non? T'as récupéré Là-haut, le c'est moins machin? joli. Ouais, j'ai tout pris, ouais. Ah, Oh, le stégosaure, il est en train de se noyer, quoi. un peu plus safe, peut-être. Quoique. Mais là où tu veux, mouche, écoute, c'est toi qui décides. Hein. Tu l'as construit, donc ça Regarde c'est. comme ils sont beaux, quoi, de près, franchement. Mais tu y es là? Et ouais, je suis à leurs pieds, moi. Mais mec, t'es un fou, non? Mais non, regarde. Tu es quoi? Tu es en dessous du picosaur? Ouais, je suis juste à côté du stégosaure, là, devant la tête qu'il a sous l'eau. Et tu as la hache dans les Il mains? nous Ah fait un ouais. petit peu d'apnée. Ouais, mais je suis pas agressif. Celui nous met un coup de queue, on est mort. Hein. Ok, c'est le genre de boulette locale quoi. Salut, coucou mon petit, ça va? T'es allé proche proche? Coucou. Ouais, tu peux même passer entre ses jambes et tout, mais bon, après, on va peut-être pas trop le Wow, chatouiller, quoi. Le wow, wow, stégosaure, pas content, quoi. il est beau, hein. Il marche Ah, t'as vu, c'est pas mal, hein. il est un peu pâteau dans sa démarche, mais sinon il est beau. J'aime. J'aime ce jeu, Moucho. Mais ouais, je t'avais dit, parfait ça. Viens, on va se cacher plutôt dans les broussailles, non, quand même? Mettre la cabane? Parce que de toute Ouais. façon, on la verra de loin, c'est énorme une cabane. Pour vivre heureux, vivons cachés, hein. Ah ouais, c'est énorme une cabane? Ouais, quand même. Et tu veux la mettre ici en mode kéké, quoi. Vas-y, Allez, j'ai pas le vas-y. temps, allez, T'as c'est pas le bon. temps, vas-y, t'as raison. On a besoin de pierre. Est-ce qu'après on peut construire des trucs Par exemple, est-ce qu'on peut stocker un peu comme dans Rust du matos dans sa maison et se déconnecter, revenir et tu l'as toujours? Normalement, ça te garde tout sur toi directement. Enfin, il n'y a pas de coffre, pas ce que je sache en tout cas. D'accord. Quoique, attends. Il y a le Metal Safe, je pense que c'est un coffre-fort, mais Ouais, tout à fait, ouais, ça c'est ça. demande des trucs un peu chiants à voir. Donc pour l'instant, je ne l'ai pas fait, mais il doit y avoir moyen. Ok. Et est-ce que tuer des dinosaures, ça a un intérêt du coup? Avoir de la viande, de la peau, tout ça, tout ça. Donc forcément, il faut chasser pour
Ouais, après, moi j'ai essayé de chasser un stégosaure au sniper, j'ai vidé mon chargeur dans la tête, je l'ai pas tué, donc voilà. D'accord. Ça place un peu le... te construire un fusil sniper, du coup, assez rapidement. Ça va, ouais. Ouais, c'est accessible. Après, faut aimer farmer, en même temps, comme tous les jeux un petit peu survie, hein, c'est... Ouais, non, ça c'est sûr. Mais c'est... C'est assez rapide, et c'est moins PVP que Rust, en tout cas, donc... Ouais, les pour gens, ma part, j'ai vraiment apprécié, quoi. Plutôt friendly, c'est vrai. Est-ce qu'on peut nager? Non, 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 non. Si tu vas trop loin, tu vas mourir. C'est pas encore scripté, je pense, pour nager, donc voilà. Ok. Ok, bon, et eh ben écoute, on va terminer la construction de la cabane. Y a pas grand chose à montrer au niveau de la construction. Tu vas poser le bâtiment et ça va passer. Ouais, je vais le poser directement, ouais, c'est bon, ça. Bon, ben, je vais couper la vidéo. On va se retrouver dès qu'il aura fini. Comme ça, au moins, ça évite aux gens qui regardent de s'ennuyer pendant que je tourne autour pour faire la danse de la cabane. Allez, à tout de suite, les amis. Alors, ça y est, donc Ninja Killer qui était parti manger nous a rejoint et il a fini apparemment de manger, donc on le connaît pas. Hein. C'est ça, Mouchou, on le connaît pas. Non, non, on le connaît pas, c'est un mec qui joue au jeu comme ça. D'accord. Et donc, Moumouche a posé la maison belle, putain, trop. Par contre, je crois que j'ai l'exclusivité du coup des portes, etc., etc. C'est normal, c'est ta maison. Quand on sera bien, on s'en fera une deuxième après. Alors, moi, il y a un truc que j'aimerais vraiment construire. C'est l'espèce de watchtower, tu sais, le truc immense, tu peux monter là. Alors, je l'ai jamais fait, mais j'ai fait la maison, la tour en bois, la tour qui est de protection, je sais plus comment voilà, ils appellent ça. Ouais, voilà, c'est ça que je veux tester. Et bah, go, c'est pas très long à faire. Hein. Attends, je vais regarder, je vais te dire. On essaie les crafts. Ah, il faudrait qu'on se fasse une tribu aussi, non? Voilà, en gros, c'est 36 planches. Donc, un rondin, quand tu la transformes, ça te fait une planche. Donc, voilà, en gros, c'est 36 rondins, ça va, ça. C'est pas très très long à farm. Je crois que t'en as 5 ou 6 par arbre. Ok, allez, bon, bah, je vais couper du bois, les amis. Donc, je voulais juste vous montrer la petite update avec la nouvelle maison qu'on vient de poser. Oula, voilà. Non, ça va, c'est lui. Pendant ce temps, je vais couper du bois un maximum. Et. Il y a écrit jusqu'à... Ouais. Vas-y, pardon, finis le truc. Je vais couper du bois un maximum et puis ensuite on va poser la watchtower et tout. On va se faire un petit camp bien sympathique. Allez, à toutes. Crever, hein, le bruit ne sèchera jamais, je crois. Je me fais défoncer, les amis. Tu crois que je vais crever? Bah, si c'est un gros, je crois que ça te lâche pas. Hein. Je l'ai pas tapé pourtant, hein. Ah, t'es sûr, t'as pas donné un coup de hache sans faire exprès en prenant un truc? Certain. Ça se trouve, c'est l'autre qui l'a tapé là, il l'a rendu agressif là. En fait, oh, j'ai plus de stam. Ça y est, m'a lâché, je crois. En fait, il m'a marché dessus. Oh, je m'en suis sorti quoi. On dirait que ça y est, il a décidé de. Non, 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 il Belle. A rien décidé du tout en fait. Ok, si, il a l'air coincé dans la colline. Je sais pas, il m'a marché. Oh là là, mais le mec a fait un feu, quoi. C'est un guenille. Oh, tu fais du charbon. Ouais, c'est parce que je veux faire une torche. Donc je vais mettre une grosse torche en plein milieu du camp, et voilà. Trop bon, quoi. Trop bon. Alors. Et donc, si t'as du truc inidentifié, là, tu peux le mettre. Je viens de le mettre. Et donc du coup j'ai vu que quand tu t'approchais de la table, les options de craft changeaient. Aimo pour la crossbow. Donc genre, admettons, hein, je vais me faire un... Regarde, on n'est pas bien là, le beau coucher de soleil juste en face de la maison. J'arrive. Ouais, il faut faire les blueprints, c'est ça? Je sais pas. M400. Voilà, moi c'est ça que je veux, un M40 à 3. Wood plank, iron lingo, platinum lingo et de l'oil. Ça va être un peu compliqué. D'accord, donc il n'y a plus rien quoi. J'arrive. Ouais, il s'empile derrière les arbres. Ah oui, magnifique Mouche. Un bel emplacement, tu vois. On est tellement bien là, c'est clair. Oh là, oh, il est pas content lui comme il me regarde. Mais non, je t'ai vu, je t'ai dit. C'est parce qu'il a un bec d'oiseau, ça, il est dégoûté. T'as vu? Oh là, oh là, oh là. Oh là, oh là, oh là. Moi je rentre, hein. Je crois qu'il vient pour en finir là. Oh là, comment il est vénère. T'as vu?
Ouais, comme une nougat quoi. On a de l'aluminium, de l'iron. C'est bien, il fait demi-tour, parfait. Je pense que la tour c'est plus safe que la maison en fait. Hein. C'est pas dit, hein, c'est à mon avis, mais un coup dedans tu tombes. Bon, du coup, la nuit c'est long, tu crois? Ça va, je crois. Hein. Y a plus qu'à espérer qu'on voit bien. Je fais une torche comme ça, je la mettrai. Du sulfide. Un truc beau quoi. Du sulfide. On est en train de découvrir des ressources sympas là. Hein. Donc je ne peux pas ouvrir la porte, ok. Ok. Allez. Merci. Ce qui serait cool en fait, c'est qu'on se fasse un coffre pour vraiment tout mettre dedans parce que j'en ai masse sur moi déjà. Qu'est-ce qu'il faut comme coffre pour comme le métal de machin là, c'est je crois que c'est vraiment beaucoup. Hein. Quel métal il faut? Alors il faut 6 metal plates, ça c'est un truc à craft, 8 rawstone, je les ai, 4 iron ingot, je les ai pas. Ah mais en plus les lingots, il doit falloir les parce que là on a de l'iron or mais on n'a pas de l'iron lingot non? Bah pour ça faut le faire fondre en fait. Tu le fais ça. fondre dans le four que j'ai mis. Ouais. Ok, bon, bah écoute, je vais essayer de trouver de la pierre. Et on n'a pas est-ce qu'on n'aurait pas à se faire des armes d'abord quand même? Un fusil, On peut, un truc. on peut, on peut. C'est quoi le premier fusil? T'as Bon dit que bah tu à la t'étais fait un recherche de la pierre. sniper? Ça c'était pas trop long à faire, c'est ça? Ouais, j'ai farmé quand même pendant une petite heure quoi. De la Après, on peut se pierre, de faire la un pierre, de la Beretta pierre, de la classique, pierre. c'est suffisant, je pense. Ouais. Bon, à mon avis, quand même. Bon. En tout cas, là, on focus trouver de la pierre. On est d'accord. Ouais. Ok. Je me fais tirer dessus, je me fais tirer dessus. Arrête. T'es où? Je me fais double raptoriser. Mais où? Près du camp. Je suis au camp, là. Bah, je vais essayer de venir, mais à mon avis, je vais crever. Il y a les deux raptors juste à mon cul. Et j'ai plus de stamina. Ah putain, je suis mort. Merde, je crois que je les entends. Et ouais, t'as les deux raptors, ils sont collés entre eux. Hein. Ils sont où? Ils sont quand t'es face à la mer, ils sont à droite. Mais fais gaffe, ils bougent pas, ils sont près de mon cadavre. Et comment ça se passe quand tu meurs? Je repop, je sais pas où. Tu repopes pas dans ta maison? Non, faut un lit pour repop dans la maison. D'accord. Et lui là, il attaque pas les raptors? Je pense qu'il doit pouvoir se défendre ici. Parce que là. Je peux même pas retrouver ton corps quoi. Bon, quand tu meurs, apparemment, tu gardes tous tes loots, donc ça c'est quand même bien. Ah ouais, t'as tout sur toi? Ouais. D'accord. Et là, il y a un triceratops. Est-ce que tu veux que je te redonne les coordonnées de la base? Vas-y. Sur moins 66, moins 234. J'arrive alors. Oh, mais du coup, moi, je ne sais plus trop bouger là. Ouais, il fait nuit noire. Je vais essayer de me faire une torche. Donc la torche, t'as dit qu'il fallait quoi pour la faire? Ah mais je peux même deux pas rentrer dans la charbon maison. Et je sais plus. Je peux même pas rentrer dans la maison. Bon bah je vais t'attendre. Je vais monter dans la tour et je vais t'attendre. T'as pas un bout de bois pour mettre dans le four que ça fasse de la fumée ou un truc? Ouais. Mais j'en ai qu'un seul par contre. Et j'ai l'impression que ça va très vite. Je dois pouvoir en refaire des planches, non? Non, mais tu peux mettre des rondins. Hein. Et comment je l'allume après? Si tu mets juste le bois, ça s'allume tout seul. Non, ça s'est pas allumé. C'est pas une wood plank qu'il faut mettre, c'est des rondins. Bon, bah ouais, faut peut-être une planche en fait alors.
Non, j'ai mis une planche. Et je veux dire, c'est pas des rondelles il faut. Bon, tu as trouvé, il en faut plus que un. Je vais tester ça de suite. Hop. Pareil, c'est le même concept. Tu le mets, tu t'approches, il y a un truc qui pop, tu le mets dedans. Ouais. Oh, ça y est. Ok, donc là j'ai du charbon. Faut combien de charbon? 2. Ok. Bon, bah écoute. Je vais laisser tourner le feu en attendant. Je vais aller me caler là-haut. À l'abri des regards de dinosaures indiscrets. Hop. Voilà. Je t'attends là. Non, je suis poursuivi par des raptors là les amis, ça commence, c'est vraiment la merde. Parce qu'après Mushu, ça sera Mutsu et ah oh, j'ai plus de stamina dans 3, 2, 1, j'ai plus de stam. Allez, adieu. Non parce que... Tiens, mange-toi ça. Mange-toi ça. Petit PD. Allez, le prochain coup je vais mourir, accroupis-toi, monte. Oui. Ah oui. Ah oui. Ah oh, putain de ce boucle de merde. Ne me dis pas qu'ils savent monter les échelles hein. J'en ai eu chaud et tout quoi. Mais IRL genre. Le mec il a des sueurs froides aujourd'hui. Qu'est-ce que c'est ça? Il y a un nouveau dino qui est là je crois. Ah non c'est le même. Oh, les bruits de pas super mal fait quand même. Il s'en va. Il est déçu. J'ai déçu un connard enculé. C'est beau les gars, c'est beau. J'arrive à survivre à cette nuit, je pense que je vais la passer. Grâce à la tour. Alors on va voir un peu la torche, à quoi ça ressemble. Hop, je vais remettre le bois. Là, ok, et oh. Ah mais c'est un spawn area, ok d'accord, on a construit notre base sur un pop quoi. Pour récupérer les nouveaux joueurs tout frais. C'est ça. Ok. La spawn area est grande quand même. Hein. Donc, oh magnifique. Je t'ai indiqué le chemin, j'ai posé une torche. Magnifique. Ah, j'ai l'impression que le jour se lève. Encore un jour se lève sur Christophe. J'ai l'impression que le jour va se lever. Ou alors c'est la torche qui vraiment éclaire bien quoi. Je crois que c'est la torche. Hein. C'est stylé en tout cas, j'aime. J'aime quand il y a le feu. Bon, il faut absolument que j'arrive à retrouver des arbres qui contiennent du bois. Donc je vais m'éloigner un peu plus du camp pour aller chercher ça. Ah, il y a le caillou qui repop ici. Je vais aller me le faire après aussi. Allez, c'est parti. Et je vois le cambou. Ah, voilà le retour du mouche. Ça fait plaisir ça. Je suis parti couper du bois pas loin. Bon les amis, suite à un bug malheureusement et une mauvaise manip de ma part, on a perdu tout le métal qu'on avait. Donc du coup, vu qu'on est un petit peu pressé par le temps maintenant, on va arrêter la vidéo ici et puis de toute façon on va vous en refaire une autre plus tard pour vous montrer après les crafts, les armes et tout. Qu'est-ce que t'en penses Mouchou, c'est une bonne idée hein? Ouais, je pense que ça va être bien, comme ça on va pouvoir se consacrer bien sur le crafting dans la prochaine vidéo. Là. Ouais, voilà, on fera un petit camp et on enchaînera la vidéo d'après sur tout ce qui est crafting, on va aller tuer du dino, faire des fusils snipers, tout ça. C'est ça, là c'était la découverte, la prochaine ce sera le crafting, et la troisième, on verra. Le PVP. Et ouais, si on trouve des joueurs, pourquoi pas. Allez, bon bah écoute, bye bye à tous, merci de nous avoir suivis.
Si vous voulez nous soutenir, n'hésitez pas, vous pouvez vous abonner à la chaîne et non pas à la vidéo. Par contre, vous pouvez mettre un petit like sur la vidéo. Voilà, en tout cas, moi j'ai beaucoup apprécié ce jeu, c'était Beast of Prey. Mouchou, un petit mot pour la fin. Likez les réseaux sociaux, Twitter, Facebook et voilà. Et on espère vous revoir dans la prochaine vidéo. Ciao tout le monde. Bye bye tout le monde, merci beaucoup.